bonjour tout le monde et bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés par le Père Noël et que vous avez bien profité de vos vacances si vous en avez pris. Et moi, on se retrouve sur Assassin's Creed pour une petite vidéo sur les différents spots de pêche et les différents endroits où pêcher dans Assassin's Creed. Donc on commence par la zone au nord-ouest avec un requin bulldog ici. Et la zone juste à côté, en fait qui est la même zone toujours, avec un autre requin bulldog. Donc ensuite la zone au nord-est, donc j'ai un requin marteau ici. La zone d'en dessous, j'ai un requin bulldog et un requin marteau qui ne sont pas très loin. Donc voilà, hop. La zone, donc, et j'ai aussi un autre requin bulldog tout en bas, la liaison entre les deux zones. La zone la plus à droite, je n'ai rien. Par contre, la zone au sud, à l'ouest, là, j'ai une baleine à bosse. Celle du tout en bas, j'ai un grand requin blanc. Celle juste au-dessus, j'ai un orque, appelé aussi épaulard. On le connaît plus sous le nom orque. Un requin blanc sur la zone en bas à gauche. Celle totalement à gauche en bas, je n'ai rien. J'ai une baleine à bosse sur la zone juste au-dessus. Sur la zone Castillo de Jaga et sur la zone tout à gauche, j'ai un autre épaulard. Donc voilà, ça c'est toutes les zones de pêche que j'ai pu trouver au cours de mes sessions de jeu. Et donc voilà, j'espère que ça vous sera utile si vous n'avez pas l'effort et que du coup vous pourrez aller pêcher tranquillement vos baleines, vos orques, vos requins. Donc j'ai pas trouvé de baleine blanche encore. Bon, et les baleines blanches, il s'avère que c'est des événements, on va dire, aléatoires et qui apparaissent quand vous êtes en ligne. Donc je joue en ligne, ok. Mais j'en ai toujours pas vu. Et de toute façon, comme ça, aléatoire, même si je vous donne un spot de baleine blanche, vous l'aurez sûrement pas parce que il sera pas forcément apparu pour vous. C'est un peu comme les convois royaux en fait. Ils spawnent aléatoirement sur la carte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur un des navires légendaires, sur un des combats avec les navires légendaires. Et pour une autre vidéo sur la découverte d'un jeu indépendant qui s'appelle Rust. Et voilà, sur ce, je vous dis à ciao et bonne soirée.